Vous ne l'attendiez plus, d'ailleurs moi non plus, j'ai finalement l'occasion de vous présenter, de vous pré-présenter Miss Wind, dont la campagne commence demain, au jour où cette vidéo sera publiée. Alors les raisons de ce retard, elles sont multiples. La première, c'est que de toute façon, il y avait un embargo strict sur le fait de parler du jeu ou de le montrer avant aujourd'hui. Donc j'avais pas beaucoup de choix. D'autre part, j'ai découvert ce jeu relativement tard. Une fois que j'ai découvert, il a fallu que j'entre en tractation avec les auteurs, enfin d'avoir le droit de diffuser, etc. avant le début de la campagne. Tout ça a pris du temps et on est un petit peu là dans le rush. Donc évidemment, je n'ai pas de prototype. Ça va se faire sur Tabletop Simulator. Mais ça va permettre quand même d'aborder, de répondre à beaucoup de questions qui se sont posées depuis que le jeu est teasé. Puisque comme personne n'a quasiment rien vu et ne sait quasiment rien du jeu, je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous apporter à l'aube de cette campagne. Alors les auteurs, la maison d'édition, je ne les connaissais pas, et finalement ce jeu que j'ai découvert donc très tard, je l'ai découvert au détour d'un post sur Quod.com où certaines personnes avaient tendance à comparer Miss Wind, le jeu dont on parle aujourd'hui, avec Stardew Valley ou Animal Crossing, qui sont deux jeux de gestion, on va dire, mais assez familiaux, où vous allez construire, aménager, améliorer un village. Ce sont des jeux que j'ai pu pratiquer, que je trouve assez reposants, qui sont des jeux vidéo contemplatifs et pas du tout compétitifs. Donc l'idée finalement d'avoir ça transcrit en jeu de société me paraissait intriguant et j'ai voulu aller plus loin. J'ai eu l'opportunité, il y a à peine quelques jours, de m'entretenir avec un des co-auteurs, Nathan Lige. Cette interview n'a pas été enregistrée, par contre elle m'a permis de poser pas mal de questions moi et puis de prendre note à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que tout en vous présentant les mécaniques, en vous montrant le mode Tabletop Simulator, qui je crois à l'heure où je parle est de toute façon public, je vais vous apporter des éléments, des éclairages que lui m'a donné pendant qu'on était en train de découvrir le jeu ensemble. La première question, je l'ai posée de manière assez cash à Nathan, sachant que très vite il a assumé l'inspiration, l'influence de Stardew Valley. Je lui ai demandé, à partir du moment où il existait maintenant un jeu de plateau, Stardew Valley, quel était l'intérêt finalement de reprendre le même concept, en tout cas en apparence, et puis d'en faire un autre jeu de plateau, quel était son but, quel était leur but à eux deux. Sa réponse, elle est simple, les deux jeux n'ont pas grand chose à voir dans les mécaniques et dans le but. Ce qui m'a affirmé, moi je n'ai pas joué au jeu de plateau Stardew Valley, ce qui m'a affirmé c'est que Stardew Valley est un jeu qui est plutôt orienté objectif immédiat, et plutôt one shot, c'est-à-dire qu'on va le sortir pour faire une partie complète en une fois, alors que la prétention de Miss Wind, c'est de créer un monde persistant, donc un village persistant, sur lequel vous allez revenir et qui va progresser au fil de la, presque de la vie du jeu, c'est-à-dire au fil de vos parties. Nous voici donc à quelques heures de la campagne, enfin dans le monde de Miss Wind, dont les prémices sont assez originaux par rapport aux autres jeux du genre, si tant est qu'il en existe beaucoup. On est sur quelque chose d'un petit peu magique, un tout petit peu, c'est-à-dire que chacun va incarner un artisan, qui erre un petit peu dans la forêt, qui va qu'à ses occupations et qui va se retrouver sollicité par des esprits. Et ces esprits-là vont demander aux artisans de venir dans leur forêt, où se trouve une espèce de ruine de campement, et leur demander de reconstruire un village, de refaire prospérer la région. On est vraiment, c'est assez amusant, à l'opposé de jeux comme Spirit Island, c'est-à-dire que là on a littéralement des esprits, de la nature qui appelle l'homme à venir quelque part et lui dit « vas-y maintenant, déboise, fais des enfants, balance tes déchets ». Je suis un petit peu cynique, mais en tout cas le parti pris est original. Donc on va se retrouver devant dans une vaste vallée, où en effet il existe quelques ruines, et puis le but de chacun ça va être de rebâtir ce village, de le faire prospérer, de faire éventuellement venir de nouveaux habitants, de nouveaux travailleurs, et puis de satisfaire les esprits qui vivent dans la région. Alors le concept, accrochez-vous, il est quand même assez audacieux. On a au milieu un plateau de jeu qui représente la région dans laquelle on arrive, qu'on va devoir rebâtir. C'est ce plateau-là donc qui accueille les bâtiments, et ce plateau va rester en l'état, va vous suivre, comme j'aime dire, toute la vie du jeu, c'est-à-dire quasiment autant de fois que vous ferez des parties. A l'inverse, les personnages, les artisans qui sont là, ils ont aussi leur courbe de progression, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les développer, mais vous pouvez les sortir un petit peu comme vous voulez, de manière indépendante du plateau. Imaginez par exemple que vous ayez un joueur qui vienne jouer toutes les deux ou trois parties, c'est-à-dire que parfois vous êtes seul, et puis de temps en temps, certains week-ends, il va passer. Il aime bien le fermier, et bah, il va jouer le fermier, et puis à chaque fois qu'il vient, il sort son plateau tel qu'il était, puisque les plateaux sont des game trays qu'il suffira de refermer et ça sauvegardera tout instantanément. Il va sortir son fermier, et puis il va, comme s'il arrivait un petit peu, il passait dans le village à ce moment-là, et donc il allait apporter sa contribution. Il va jouer avec vous, il va faire ses choses, et puis ensuite, si pendant les 2-3 parties suivantes, il ne joue plus, ce joueur-là, eh bien le fermier restera dans la boîte, et on imaginera qu'il sera parti en pérégrination quelque part. Donc vous pouvez, si vous voulez, faire rentrer et sortir des joueurs sans aucun problème, puisque la progression de chaque artisan n'est pas liée à la progression du plateau. Le village, lui, il vivra sa vie, il sera là à chaque fois, il progressera à chaque fois. Mais les joueurs, finalement, entrent et sortent, comme les artisans entrent et sortent sans aucun problème.
Ce qui donne aussi une notion, alors c'est comme ça que ça m'a été expliqué, de rejouabilité dans le sens où on va peut-être maxer plus vite un artisan qu'on ne maxera le plateau, ce qui est censé être super long finalement d'arriver au village idéal. Donc, si vous jouez seul, encore une fois, on va partir de cet exemple-là. Voilà, ça fait 5 parties que vous jouez le fermier. Vous l'avez bien optimisé parce que vous jouez bien et vite. Ça vous amuse plus parce que du coup, c'est presque trop facile. Dans ce cas-là, soit vous pouvez le remettre à zéro, ce qui est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais en tout cas, c'est possible. Soit bah, vous le rangez en l'état, et puis vous sortez le crafter, et puis, vous jouez avec à partir de maintenant, sachant donc qu'elle part de zéro. Elle n'a aucune compétence, mais ça n'empêche pas que le village, lui, ce que le fermier aura contribué à faire, ça va rester et ça va vous suivre. On a donc deux concepts qui sont rarement mariés ensemble, à savoir un plateau que j'ai envie presque d'appeler Legacy, hein, qui va vous suivre et qui sera façonné par vos choix. Et puis des personnages que soit vous sortez, si vous êtes seul ou à deux, vous en sortez deux mais jamais les mêmes et puis ils progressent en parallèle. Soit vous allez pouvoir faire tourner, c'est-à-dire que voilà, pendant X parties, je vais jouer le fermier, et puis la mécanique m'amuse plus, ou bien j'ai envie de tenter autre chose, donc je sors le crafter, et puis mon camarade de jeu va sortir autre chose. Ça permet au jeu de garder un sentiment de nouveauté assez longtemps, ça permet d'être assez flexible avec le nombre de joueurs, puis ça permet d'expérimenter aussi pas mal de choses, pas mal de combinaisons. Sachant qu'on va le voir très vite, chaque artisan à sa force va apporter quelque chose de particulier au village, et dans le cadre d'une partie à peu de joueurs, voire en solo, il peut être intéressant justement de faire tourner les artisans qui passent au village, afin que celui-ci progresse de manière homogène. Alors on va se pencher d'un petit peu plus près sur les personnages, il y a un truc que j'aime beaucoup. Les artisans fonctionnent un petit peu de la même manière que les artisans dans la baie des marchands, c'est-à-dire que chacun va avoir sa petite mécanique propre et que même si on joue tous au même jeu, on a chacun nos petites règles et notre petite façon de progresser. Je ne dis pas que l'un a copié sur l'autre, puisqu'a priori les concepts sont nés à peu près au même moment, mais en tout cas c'est une mécanique que j'aime beaucoup et encore une fois qui apporte de la fraîcheur au jeu assez longtemps. Le fermier, lui, il va évidemment devoir cultiver des choses, donc en fait il a un champ qui pour l'instant est assez limité. On voit que comme dans Shaolia par exemple, il y a une grande partie ici de son terrain qui n'est pas exploitable et qu'il va falloir défricher avant de pouvoir cultiver. L'idée, en fait, la mécanique, ça va être un petit peu du puzzle, c'est-à-dire que vous allez à chaque tour acheter ou prendre gratuitement, dans le cas de celui qui est le plus à droite, des plants que vous allez donc planter. Il y a plusieurs conditions, bien sûr, de placement afin de rendre le jeu un petit peu intéressant, un petit peu complexe. Et puis après ça, il va falloir réaliser à un moment une action d'arrosage qui va permettre de retourner la tuile et donc d'avoir des fruits ou des légumes qui sont mûrs, qui ont poussé. Et donc, vous le voyez, ici à 2, ici à 3, ça permettra de les vendre plus cher, puisque troisième étape, vous allez récolter et vendre donc ce que vous avez dans votre champ, sachant qu'on a des possibilités ici d'acheter du matériel, donc des arroseurs automatiques par exemple, qui feront pousser tous vos légumes plus vite, tous vos plants plus vite, et puis du matériel agricole finalement qui accélérera votre production. Ça, c'est pour le fermier. On va se pencher un tout petit peu plus près hein, sur ce que fait chacun, un petit peu plus loin dans ma vidéo. Le crafter, la crafteuse, alors cet artisan-là, en fait, va reposer sur un système de backbuilding. C'est-à-dire que vous avez un sac dans lequel vous allez mettre un certain nombre de jetons, et selon vos actions, vous allez mettre plus ou moins de chaque jeton dans le sac. À chaque tour, vous allez en tirer, et si je tire, allez, est-ce que j'ai un peu de chance, voilà, si je tire par exemple un parchemin, je vais pouvoir, dans cette chaîne de production qui est là, faire progresser mon parchemin jusqu'au moment où il arrivera tout au bout, et où donc ce sera un produit fini qui vaudra plus cher. Il y a tout plein de mécaniques en plus dans lesquelles je ne veux pas rentrer forcément trop en détail puisque le crafter peut aussi améliorer sa réputation pour vendre les objets plus chers. Il y a pas mal de petites choses à faire. En tout cas, voilà, les deux n'ont rien à voir. Ce sont les deux seuls qui sont proposés là dans la démo. Je n'ai aucune idée de ce que seront ou de ce que feront les autres. Mais on est sur une asymétrie qui est peut-être moins pertinente dans un jeu coopératif puisque là, si vous ne l'avez pas compris, on est vraiment sur du full coopératif, de la conjugaison de talents. Donc peut-être un peu moins pertinent, mais qui reste plaisant dans le cadre où, encore une fois, on peut être amené à faire tourner les artisans, on peut être amené à changer de rôle, on peut être amené à faire venir et sortir des joueurs qui vont s'incruster à un moment donné. De toute façon, moi voilà, c'est une idée que j'aime beaucoup et qui ici en plus se prête plutôt bien parce qu'on pourrait imaginer à l'avenir pas mal de déclinaisons avec plein de nouveaux artisans et plein de nouvelles mécaniques. Il en existe tellement, comme on voit dans la baie des marchands qui est derrière moi. Alors là, c'est tout petit, vous ne voyez pas, mais il existe sacré poignée d'artisans différents que vous pouvez sortir et du coup le jeu a l'air à chaque fois un petit peu différent. On fait un petit détour par le plateau central, donc le cœur du jeu.
Cette région-là, vous allez la remplir, vous voyez, il y a plein de petites cases, vous allez la remplir éventuellement de bâtiments au fil du temps, vous allez pouvoir construire pas mal de choses. Ce plateau-là comporte plusieurs cases d'action, zones d'action, puisqu'à chaque tour, on va le voir juste après, chacun des villageois pourra faire une action dans le village, dans le territoire. La première ici, alors pour que ce soit plus visuel, je vais poser une figurine. La première action ici, c'est de partir à l'aventure, c'est-à-dire tirer une carte aventure, voir ce qui se passe, on va y venir après. La deuxième, ça va être de participer à l'évolution du village, ça c'est assez intéressant. Le village a 4 constantes, qui ne sont pas forcément des ressources en brut, c'est pas j'ai 5 ceci ou 6 cela. Ça va plutôt mesurer des niveaux, donc on a la production, on a la richesse, on a la culture et on a la nourriture. Si je viens ici, ça va être pour vraiment littéralement contribuer à la force de mes bras ou peut-être de mon cerveau selon ce que je fais, au bien-être du village, à sa prospérité. Et on va voir, encore une fois, asymétrie et intérêt de faire tourner les artisans, que chacun va être plus ou moins, bien sûr, à même de faire progresser le village. Donc ça va se symboliser en coups, en pièces d'or. Hein. Et on voit qu'évidemment, le fermier pourra très facilement et pour très peu d'argent augmenter le niveau de nourriture du village, puisque c'est littéralement son métier, et un petit peu aussi la richesse. Par contre, la culture, c'est pas son truc, en évitant tout cliché, bien sûr, sur le monde paysan. Alors que à l'inverse, le crafter, si elle se rend donc sur cette case-là pendant son tour, elle va assez facilement améliorer la production, c'est son boulot. Mais en termes de nourriture, bah elle ne produit rien qui se mange, donc si elle veut vraiment à un moment contribuer au bien-être alimentaire de la vallée, il va falloir qu'elle mette pas mal de ressources. Donc ça vous montre à la fois qu'il y a des constantes à faire évoluer, il y a d'autres moyens de les faire évoluer, on va en parler, mais aussi que l'asymétrie, là pour le coup, a un sens, et le fait de changer de personnage, même si on joue toujours seul ou joueur à deux, a un vrai intérêt. Troisième action possible, c'est d'aller à la tour. Donc ça va être ici. Et si je vais à la tour, pour un petit peu d'or, je vais pouvoir recruter soit des esprits, faire venir des esprits pour m'aider, ou recruter carrément des ouvriers, des intérimaires, qui sont symbolisés par ces dés. Alors là, il n'y a rien d'original, mais ça fonctionne bien. Donc le orange va représenter un ouvrier, le bleu un esprit. Si je le recrute, il va ici dans mon pool d'ouvriers. Et puis à un moment, on va parler de toutes ces actions possibles. Si en plus de mes actions du tour, je voudrais faire un arrosage, disons, et bien je vais mettre mon ouvrier ici, mon esprit ici. Et je vais donc diminuer la valeur du dé, puisqu'il se sera fatigué un petit peu en arrosant. Et puis il retourne, si je paye son salaire quotidien, dans ma zone ici, ou si je ne le paye pas, et bien il retourne tout simplement chercher du boulot ailleurs. Donc ça permet, si vous en avez plusieurs en réserve, de pouvoir moduler un petit peu vos actions, parce qu'on va voir que ce que vous faites, vous, par exemple ici dans votre champ, sera conditionné par l'action de ville. Et parfois, vous serez un petit peu coincé parce que vous aimeriez, je sais pas, augmenter les constantes du village ici, de la vallée, mais l'action qui y est associée ne vous intéresse pas. Dans ce cas-là, c'est le moment d'aller sortir un dé que vous auriez recruté précédemment et de le placer sur l'action que vous aimeriez faire. Je vais venir encore, si c'est pas tout à fait clair pour vous, j'y reviens juste après. Dernière action possible, il n'y en a pas 50, ça va être la construction de bâtiments. Alors c'est évidemment le nerf de la guerre. Les bâtiments sont ici, évidemment c'est une démo, donc je pense que j'en ai pas beaucoup. Le premier à construire dans le cadre du tutoriel, qui, je fais une parenthèse, est assez bien fait, puisqu'il vous permet vraiment, presque à 100%, d'apprendre le jeu sans avoir jamais à lire de règles. Et ça va plus loin que la plupart des espèces de tutos aménagés qu'on a dans la plupart des jeux. Donc si je veux construire cette maison-là, je retourne et je vois que la construire fera diminuer de 1 ma production. Et ça me dit où je vais placer la maison dans la file d'attente. En l'occurrence, je vais la placer tout en bas. C'est le symbole qui correspond, hein. Vous voyez la maison pleine. Ça veut dire qu'en fait, ça va assez vite à construire. Si j'avais une icône, alors je ne connais pas toutes les cartes, hein, mais voilà, on voit qu'ici, on n'a que 3 petits bâtons. Ça veut dire que l'étable, on commence à la construire ici, et que donc il faudra plusieurs tours en fait, alors c'est même pas vraiment des tours, mais il faudra plusieurs actions construire, pour que finalement il sorte de terre et puisse être posé à peu près n'importe où. L'idée en fait c'est que vous allez avoir des cartes météo à chaque tour qui vont vous dire quel temps il fait, et selon la météo, cette carte vous dira les ouvriers ont pu faire progresser le bâtiment ou pas, donc il est possible que, quoi que vous fassiez, hein, un bâtiment reste sur place, ne progresse pas, ne se s'érige pas pendant plusieurs tours. Donc ça, c'est la dernière action, l'action de construction. Et pour ce qui est de la vallée, c'est tout. En haut du plateau, on a pas mal de petites choses sur lesquelles je vais pas forcément toujours revenir. La première, donc, ça va être lié aux saisons. En théorie, on joue une partie représente à peu près une saison.
c'est ce qu'il me dit, ce que m'a dit Nathan, sachant qu'il est possible bien sûr de faire des parties plus longues, et puis il n'y a pas vraiment de moment où vous vous dites maintenant je m'arrête, mais la fin d'une saison est un bon moment pour tout sauvegarder, c'est comme ça que ça m'a été expliqué. Et en fait, pour chaque saison, vous allez voir que si vous avez un enchaînement de conditions météo particuliers, c'est-à-dire par exemple ici nuageux, puis ensoleillé, puis nuageux sur 3 jours, vous allez pouvoir faire progresser un bâtiment. Donc voilà, c'est lié. Chaque saison aura des conditions différentes et des bonus ou parfois même des malus différents. C'est-à-dire que là, on est en haut printemps. S'il pleut 3 jours de suite, on imagine que ça fait peut-être pourrir les récoltes. Donc les constantes en termes de nourriture baissent de 1, ce qui est plutôt moche. À côté, on a des sortes d'achievements, d'objectifs auxquels je n'ai pas été initié. Ils vont se placer ici. Donc on vous donne une condition ici, et si elle est accomplie, on va récupérer quelque chose. Si elle n'est pas accomplie, on va faire autre chose. Ça va permettre de pimenter un petit peu le jeu, et puis de donner une notion peut-être quand même d'objectif immédiat au sein d'un jeu qui se joue long terme. À droite, nous avons les événements. Je vais y venir, les cartes aventures, je vais y venir juste après aussi. Et c'est à peu près tout, vous avez fait le tour du plateau, donc vous voyez, c'est pas très compliqué à expliquer, c'est pas compliqué à aborder, c'est pas le but de ce jeu-là. Par contre, en termes d'optimisation, que ce soit du village, mais surtout de chaque artisan, il y a quand même pas mal de choses à faire. On en vient au déroulé d'un tour, celui-ci est immuable et on commence toujours, collectivement, par aller chercher une carte météo, qu'on va retourner. Alors sur les premières, comme elles font office de tutoriel encore une fois, il y a pas mal de textes dessus qu'on va ignorer volontairement. Ça va nous donner d'abord les conditions météo du jour, qui n'ont pas forcément ou pas toujours d'impact seul, mais encore une fois, au bout de 3 jours, je vais aller regarder l'enchaînement, donc nuageux puis soleil, et voir éventuellement si ça déclenche quelque chose, donc ici ça ne déclencherait rien, heureusement, dans cet ordre-là, dans le sens nuage puis soleil. Mais c'est ça qui va être important finalement, ça va être plus l'enchaînement que la condition actuelle, même si cette condition actuelle peut influencer certaines actions ou certaines aventures. Cette carte, elle peut me dire plusieurs choses. Elle peut me dire d'abord, va tirer une carte événement, c'est ce symbole-là. Elle peut aussi me dire, j'en ai un petit peu plus loin, voilà, les conditions sont assez clémentes pour que les constructions avancent, donc ce serait le cas où, pour mon étable, je la ferai avancer d'une case. Il n'est pas nécessaire, si vous voulez, que je sois sur cette case-là sert à initier les constructions. Ensuite, on peut aller vaquer à d'autres occupations, ce sont des ouvriers spécialisés, dont c'est le métier, qui feront avancer ça quand ils auront les conditions nécessaires. Là, en l'occurrence, donc jour 3, il fait beau, on peut donc à la fois tirer un événement d'accord, mais aussi faire avancer tous les bâtiments d'une case, et éventuellement, donc le bâtiment qui sera sur la dernière case finira construit, pourra être placé. Deuxième étape donc, si la carte météo me le dit, je vais aller tirer un événement. Alors les événements, ça va être à peu près comme toutes les cartes événements de tous les jeux de l'univers, c'est-à-dire parfois un petit choix. Est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Alors là, c'est du fluff, évidemment, c'est le début, hein. On nous dit quoi faire, c'est le tuto, donc soit des conséquences, des choses qui arrivent dans tous les cas, soit parfois des choix. En tout cas, ça va rythmer un petit peu votre aventure. Elles sont numérotées, donc c'est partiellement skippé. Jusqu'où dans le jeu, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'au bout de 10, 15, 20 parties, si vous êtes vraiment fan, est-ce qu'on continue à avoir des événements scriptés? Est-ce qu'il y aura des événements aléatoires pour la suite du jeu? J'en ai aucune idée. En tout cas, il se passe des petites choses et puis ça pimente un petit peu le jeu. À la suite de cet éventuel événement, chaque joueur va utiliser son action de village, donc prendre sa figurine et la placer là où elle veut aller. Alors les spots ne sont pas exclusifs, là il n'y a pas la place pour placer plusieurs personnages, mais on peut très bien faire tous les deux la même chose, il n'y a pas de problème. Et je vais quand même mentionner maintenant le fait de la case, le slot le plus intrigant peut-être, qui est de partir à l'aventure. Donc là pareil, c'est partiellement scripté. Vous allez sortir une carte, un petit peu comme dans The Witcher par exemple, où très souvent, je vais pas dire tout le temps parce que évidemment je n'ai qu'une démo, mais très souvent, vous allez avoir un petit choix. Ça va être plus ou moins anecdotique, on n'est pas où vous êtes bien d'accord sur du combat à mort et sur une lutte pour la survie, mais il y aura quand même derrière des conséquences. Si vous avez fait ceci ou cela, vous gagnerez, vous perdrez ceci ou cela. Et il s'avère que, on m'a expliqué que selon les choix que vous ferez, ça peut à la fois façonner votre village d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, peut-être qu'un bâtiment peut s'effondrer ou quelque chose comme ça, mais aussi, selon donc ces choix, vous allez rajouter des cartes événements de certains numéros dans le deck d'événements, ce qui permet en fait que le déroulé des jours soit raccord avec la décision que vous avez prise. Si vous avez rasé tout un pan de forêt, vous ne tirerez pas l'événement qui dit il y a plein d'animaux de la forêt qui viennent vous aider, par exemple, je dis n'importe quoi. Ma question tout de suite, en fait, j'ai pensé à Lands of Galdir, déjà parce que c'est coopératif et plutôt sympathique, mais aussi parce qu'il y a cette notion de rajouter des cartes pour façonner un petit peu le deck. Donc j'ai demandé si il y avait une inspiration à Lands of Galdir, une inspiration narrative. On m'a assuré que non, c'est-à-dire que la narration c'est un plus,
D'accord, le fait de partir à l'aventure ici, débloquer des bonus, c'est un plus, c'est intéressant, d'accord, mais ce n'est ni l'attrait principal, ni l'intérêt principal du jeu qui va rester de construire le village, de faire évoluer ses artisans, et donc il m'a affirmé que l'idée c'était pas qu'on ait un joueur qui à chaque tour aille partir à l'aventure, parte à l'aventure, parce que d'abord ça va être un poids mort pour le village, puis il va rien faire du tout, il va pas progresser, il va pas produire, et en plus vous allez très vite épuiser ce deck qui forcément a une fin, et c'est moins marrant quelque part. Même si il est prévu, une fois que le deck sera complètement épuisé, puisque ça arrivera forcément, des espèces d'événements aléatoires, d'aventures pardon aléatoires, parce que les événements, eux, je n'ai aucune idée de s'il y en a des aléatoires ou si tout est scripté. Pour les aventures, donc oui, voilà, quand vous êtes au bout du deck, que vous avez vu toutes les cartes, vous avez la possibilité de déclencher des événements aléatoires en partant à l'aventure, ce qui est sûrement moins intéressant, bien sûr. Mais évidemment, on ne peut pas avoir une infinité d'aventures, et on ne peut pas non plus, vous le comprenez, toujours remélanger les mêmes cartes, puisqu'on est censé garder trace un petit peu à minima de ce que vous avez fait, histoire que le monde, l'histoire soit cohérente. Nous avons donc tiré l'événement qui était demandé, nous avons fait nos actions de village, nous allons maintenant passer à nos actions personnelles, et là chacun va faire son petit truc, pas forcément dans son coin, parce qu'encore une fois, il faut le faire en bonne intelligence, pour récupérer les ressources dont on a besoin, et puis pour faire progresser le village. Mais en tout cas, on va faire son action perso, et attention, cette action-là, sur les deux personnages, donc je pense sur tous les artisans proposés, elle est liée en fait à l'action de village que vous avez prise. Si vous regardez ici, mon fermier, il est parti à l'aventure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il n'y a pas trop le temps de faire grand-chose, si on veut le thématiser. Donc, on voit que si j'ai pris l'action aventure, j'ai le droit à planter un plan. Donc ça, c'est toujours le cas. Puisque le fermier, il faut quand même qu'il ait un bon rendement. Et l'action donc, qui est liée à l'aventure, c'est encore une fois planter. Donc c'est tout ce qu'il fera finalement en revenant de ses pérégrinations, c'est de semer. Si par exemple j'étais allé à la tour pour recruter des gens, donc aller chercher les dés hein, qui m'intéressent contre de l'or, on voit que en plus de planter une fois, donc d'aller, je vous rappelle, hein, chercher un petit polymineux ici, le placer, je vais pouvoir récolter. Je suis pas obligé, hein, mais je peux. Si j'ai que des plans qui ne sont pas arrivés à maturité, j'ai peut-être intérêt à attendre. Si j'ai besoin d'un flux d'argent tout de suite, bah écoutez, je vais revendre mes plans en l'état et puis passer à la suite. Le crafter, donc c'est exactement la même chose, je l'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure. Selon l'action qu'elle aura faite, alors par exemple ici elle est allée travailler au village, améliorer les conditions du village. Donc je vais aller voir tout en bas et je vois que c'est une petite statuette que je vais mettre dans le sac. Donc j'ai plus de chances mécaniquement maintenant d'aller piocher une statuette quand je vais piocher mes fameux jetons pour voir ce que je fais ce tour-ci. Et c'est là que je vous disais que les dés sont importants parce que finalement si je veux absolument absolument produire des chaussures, parce que mon truc c'est les chaussures, j'ai amélioré ma réputation pour qu'elles valent très très cher, bah, je vais vouloir utiliser cette action-là qui est le fait d'utiliser un bâtiment à chaque tour. Mais c'est pas possible, si vous faites que ça vous allez encore une fois être un poids pour le village. Donc vous allez potentiellement faire d'autres actions et puis utiliser les travailleurs ou les esprits de la bonne couleur pour aller toujours, alors là ce serait oui un orange puisque c'est orange autour, pour aller quand même continuer à mettre des chaussures dans le sac et avoir plus de chances de piocher des chaussures. Une fois donc que j'ai mis le petit jeton correspondant dans le sac, je vais aller en tirer 3 et puis je vais avoir plusieurs options, alors je vais pas toutes les évoquer, je vous en donne deux les plus importantes. La première, alors on va remettre comme c'était, hein. La première ça va être de remettre, donc ça c'est ma pioche ici, remettre un de ces jetons dans le sac pour faire progresser de 1 un jeton correspondant qui est déjà dans la file, donc je vais m'attacher à continuer à fabriquer, à perfectionner mon parchemin. Ou je peux aussi décider d'utiliser ce jeton, de le mettre dans la chaîne de production pour commencer la production d'une nouvelle statuette. Donc à chaque fois vous en tirerez 3, parfois plus si vous progressez avec votre personnage. Et puis vous voyez si vous voulez produire beaucoup ou si vous voulez faire avancer le plus vite possible sur la chaîne de production pour qu'ils valent très cher. Sachant que même au premier stade ils sont vendables, mais ils sont vendables que pour une seule pièce. Je crois qu'au bout c'est 5, donc vous voyez que la différence elle est toujours... Comme avec le fermier, on a l'option de vendre vite pour peu cher si on a besoin d'argent tout de suite, ou bien de temporiser et puis de récolter les fruits de son travail à la fin. Dernier élément un petit peu rigolo, et là pour le coup qui fait vraiment penser à des Stardew Valley et consorts, je vous parle de l'action ici, utiliser un bâtiment, ça vous parle pas du tout. Alors la seule que je connaisse, je vais vous parler de ce que je connais, hein, c'est donc cette maison là que vous aurez construite, vous pouvez dans votre pendant votre action de village aller dessus, et donc c'est l'action violette qu'on voit ici, donc utiliser un bâtiment. Et utiliser un bâtiment, en tout cas dans le cadre de la Longhouse, ça va me permettre potentiellement de débloquer un trait de personnalité. Les traits de personnalité, si je reste sur le crafter, il va y avoir des prérequis. Si je veux par exemple être quelqu'un de toujours très ouvert, quelqu'un avec plus d'expérience, il faudra que les marchandises qui sont listées ici
fabriquer, c'est-à-dire soit au bout de ma chaîne de production, soit ici, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne pas les vendre, évidemment, ou de ne pas les sacrifier pour augmenter ma réputation. Si j'ai les deux là, imaginons, bon là je les ai pas, mais imaginons que je les ai, je vais prendre cette petite tuile, je vais la mettre où je veux, sur une des lignes, et ça me donnera une action supplémentaire, ça semble bien, celle-là je la connais pas, je pourrais pas vous l'expliquer, une action supplémentaire, voilà, non même pas, ah, on va parler du fermier, on va parler du fermier, si je prends un trait de personnalité, imaginons la main verte, voilà, ça me permet de faire une action plantée en plus. Alors ça peut être un endroit où n'en est pas... Si je le mets ici, ça permet en fait, quand je vais à l'aventure, de planter trois fois. Mais c'est peut-être un petit peu trop, puisque le risque, souvent, hein, ça va être de se retrouver avec un champ, surtout au début, qui est plein, en fait, dans lequel vous ne pouvez plus rien faire. Mais ça peut être sympa, par exemple, de le placer ici, c'est-à-dire dans l'ordre, quand j'irai recruter des ouvriers. D'abord, je plante, ensuite, je récolte, je fais de la place, et je replante. Pas mal. Voilà, de manière assez surprenante, on a déjà fait le tour, en fait. Et j'ai rien contre les jeux qui sont simples en règle, mais ma première inquiétude, que j'avais un petit peu d'ailleurs mentionné sur les réseaux sociaux, c'est que pour un jeu contemplatif, un jeu où on fait donc progresser son village, où on se fait des amis, etc., etc., j'avais peur qu'il soit un petit peu mécanique. C'est-à-dire que vous voyez que le tour vraiment va vite, hein, je tire une carte, je lis, donc il y a éventuellement un peu de fluff, je fais une action ici sur le plateau, je fais ensuite une action perso, normalement j'ai déjà une vague idée de ce que je veux faire, et puis on recommence. J'ai pas la réponse formelle sur le fait que c'est très mécanique, et en fait ça va dépendre tout simplement d'une chose, ça va dépendre du temps que ça prend à fabriquer les choses et à progresser. Vous vous doutez que si pendant une partie, je peux déjà, une partie donc imaginons une heure et demie à deux, hein, je peux déjà avoir quasiment toutes mes skills et j'ai déjà construit 4 bâtiments, évidemment au bout de 2-3 parties, bah, le jeu n'aura plus aucun intérêt. On est sur un jeu où finalement on espère que ce soit dur et que ce soit long, parce que sinon, bah, en termes d'implication et puis de durée de vie, ça va être absolument zéro. Alors en termes de chiffres, c'est difficile bien sûr de donner des chiffres comme ça, ça dépend beaucoup des joueurs, ça dépend de plein de choses. On me dit, et je lis mes notes, que dans une partie, si vraiment on se focalisait sur un seul aspect, ce qui n'est pas recommandé, puisque l'idée c'est d'essayer de vivre quelques aventures, de faire progresser un petit peu ici toutes les constantes, et puis bien sûr de progresser personnellement, mais si vraiment on se focalisait sur un seul aspect, on pourrait faire 3 à 4 bâtiments en une partie, ou récupérer 2 compétences. C'est déjà pas mal. Mais, encore une fois, Nathan m'a dit, c'est pas comme ça qu'on joue, puisque vous ne faites jamais uniquement la même chose pendant toute une partie, pendant toute une saison, ça n'a pas d'intérêt. Ceci dit, il reconnaît, hein, les auteurs reconnaissent qu'à un moment, forcément mécaniquement, le village sera plein, alors j'imagine de plein de choses qui sont même encore mieux, et puis il y aura plus grand chose à faire, donc là, bah, leur seule solution, c'est de reset le village, de tout remettre à zéro. Je pense que c'est le moment où vous donnez, prêtez, vendez le jeu, tout simplement, mais j'ai pas la réponse, et je pense qu'elle est peut-être dure à avoir maintenant, de combien de temps ça prend, parce que moi ça me dérange pas que les tours soient mécaniques, et que finalement, on enchaîne plein de petits tours avec plein de petits jours, de saison en saison, mais je voudrais pas, en fait, en tant que, et je pense que c'est le cas de tous ceux qui cherchent un jeu un peu chill, un peu relax, un peu contemplatif, dans l'idée, dans l'inspiration des jeux vidéo Animal Crossing, etc., je voudrais pas d'un jeu où je peux tout optimiser très vite, être super fort, j'ai pas envie d'être fort, j'ai envie de... à mesure de mon travail, de me voir grandir, de me voir progresser, de voir les bâtiments s'ériger, mais lentement, avec cette sensation d'attente qui, je pense, doit faire partie du jeu pour que le jeu soit prenant, qu'on ait envie d'y revenir. J'ai pas la réponse. Je peux pas vous la donner. Les tours sont courts, ça veut pas dire que le jeu est court. Il faudra, malheureusement, à un moment, soit vous mouiller dès maintenant, c'est-à-dire vous allez chercher le mode sur Tabletop Simulator et vous le poncez, histoire de voir à quelle vitesse ça va. Soit prendre un pari et finalement le baquer ou inciter quelqu'un à le baquer, c'est moins risqué, puis aller jouer chez lui, pour se rendre compte vraiment de ça. Et j'étais un petit peu surpris finalement que les auteurs, en tout cas que Nathan n'ait pas de réponse formelle à me donner sur cette durée-là. Je sais par contre, je travaille beaucoup à la richesse du jeu, donc au fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire, suffisamment pour qu'on puisse pas se focaliser sur un seul aspect, puis encore une fois de faire tous les bâtiments d'un coup. Par exemple, on annonce au-delà des 4 rôles, plus de 200 cartes. Donc en termes d'événements ou d'aventures, puisque finalement en carte on a quasiment que ça, même si compter les bâtiments, il n'y aura pas 150 bâtiments. Donc 200 cartes, ça fait déjà quand même pas mal de choses, ça permet de temps en temps de dire bon voilà, on vient de réussir à construire un monument là qui nous a pris un mois et demi. On va se reposer, aller faire quelques petites aventures, on va aller booster un petit peu le village, on va s'occuper de nous-mêmes, etc. Ça c'est plutôt un point positif. Je pense... sans avoir, encore une fois, rien de là, de vraiment de concret à vous dire, hein, ça sort de mon chapeau, qu'il y a vraiment potentiel, matière,
partant de cette espèce de moteur de base, de faire plein de choses autour. Alors je ne sais pas si c'est la volonté de l'éditeur, on pourrait presque l'espérer. On pourrait imaginer que soit le plateau s'agrandisse un petit peu, soit qu'on voit venir de nouveaux rôles et qu'on aille finalement au-delà de ce côté coopératif où on se tient la main et puis on fabrique le village ensemble, qu'on ait peut-être une forme de hiérarchie, qu'on ait, je ne sais pas, un juge, qu'on ait un marchand, qu'on ait un... je ne sais pas, et qu'on ait une interaction plus forte finalement que juste chacun faire les trucs côte à côte et puis essayer de trouver les meilleurs mix pour aller le plus loin possible. On pourrait presque voir s'organiser une petite hiérarchie autour de ce village, on pourrait avoir une élection pour avoir un maire par exemple qui aurait une prérogative quelconque. Ça, ce serait vraiment super, et peut-être, je peux l'espérer, peut-être aussi selon le succès de la campagne, il pourrait envisager derrière de sortir des extensions, encore une fois, donc d'agrandir le territoire, et puis de hiérarchiser, solidifier un petit peu ses rôles dans le village, qui ferait que tous les joueurs auront envie d'y revenir, parce que moi je vais être président, moi je vais être policier, moi je vais être ceci, cela, et pas juste, bah tiens, il faut qu'on construise un truc, et on en a déjà construit 50 avant. Allez, on termine avec quelques petites informations que j'ai réussi aussi à glaner au fil de cette interview. Il pense... En tout cas, il y a quelques jours, ils y pensaient, à localiser le jeu. Alors, vous voyez que sur le matériel, finalement, il n'y a quasiment pas de texte, à part cette malheureuse tuile que je ne voulais pas tirer, parce que je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas regardé. Par contre, il y a quand même les cartes aventures, les cartes événements. Et c'est vrai que si vous y jouez, peut-être avec des enfants ou des adolescents, parce que ça s'y prête tout à fait, ou avec des gens qui, juste, ne sont pas bilingues, et donc n'ont pas envie de travailler leur anglais en lisant des cartes dans un jeu aussi familial et accessible, il peut être intéressant d'avoir une version française. Rien n'est signé pour le moment, je sais qu'ils ont des pistes, donc on croise tous les doigts là-dessus. Évidemment, le vrai défi aussi, ce sera, est-ce que la piste, est-ce que le contrat, il sera scellé avant la fin du Kickstarter, donc on pourra pledger sur Kickstarter une VF, ou est-ce qu'on sera obligé finalement de mettre 1 ou 5 dollars et puis d'attendre anxieusement de voir si un truc français se profile. C'est la situation vraiment la plus dommageable pour tout le monde, hein, autant pour l'éditeur que pour les joueurs. On croise les doigts là-dessus, on attend des nouvelles, peut-être même que demain, sur la page de la campagne, on aura des bonnes nouvelles à apprendre. Alors, autre information, c'est celle du prix. Alors, j'ai rien, évidemment, de ferme, puisque là, je pense que surtout sur un jeu de cette taille, avec des game trays et des figurines, ils vont tenter jusqu'à la dernière minute de tirer les prix vers le bas. Je pense qu'on sera sur un ticket d'entrée quand même relativement salé, par rapport à la complexité du jeu, mais j'avais déjà évoqué dans Lands of Galazir, on paye pas forcément un jeu pour sa complexité, on paye pas les mécaniques au kilo, quelque part. Je pense que voilà, avec les game trays qui sont pas donnés, qui sont astucieux, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en termes de sauvegarde, vous remettez le couvercle en plastique, tout est sauvegardé, vous le ressortez tel quel, c'est très bien. Mais ça a un coût, avec des figurines, qui peut-être pour le coup sont discutables, parce qu'on n'est vraiment pas sur un jeu de figurines, les standees auraient peut-être aussi bien fait l'affaire, bon je suis pas dans leur tête, hein, ni dans leur portefeuille, mais c'est peut-être ça aussi qui va faire monter un petit peu la note. Je sais qu'il y aura des add-ons, que potentiellement peut-être plusieurs versions de All-In, mais ça vous le verrez très vite, donc là, l'information que je vous donne là, elle est périmée. Qui apporterait donc potentiellement peut-être de nouveaux rôles, plus de cartes, plus de bâtiments, etc. Je pense que malgré ce prix d'entrée, on est sur un jeu qui reste pour l'instant relativement rare, un petit peu comme à sa manière Lands of Galazir, donc un jeu sur lequel il peut être intéressant de se pencher si vous avez les moyens et si vous êtes convaincu que vous aurez le public ou que vous êtes très attiré. Ça va cibler pas forcément un public de hardcore gamers finalement, mais il y a aussi des gamers comme moi par exemple qui apprécient ce genre de trucs un peu contemplatifs et un peu relax. Toujours est-il que je pense qu'il est dommage de backer un jeu comme ça sans aller all-in. Alors vous allez me traiter de vendu évidemment. Je pense que moi personnellement en tout cas j'aurais du mal à ne pas prendre un all-in parce que contrairement à pas mal de jeux, y compris de dungeon crawler qui sont déjà assez fouillés, ce qu'on va voir chez Awoken Realms ou chez Mythic Games, là c'est vraiment la quantité d'add-on qui fera la rejouabilité, puisque contrairement à, allez je cite un jeu que j'adore, Rage Busters, où il y a énormément de personnages mais où j'en ai jamais sorti la moitié, là l'intérêt justement et le feu que vous allez garder avec ce jeu, la flamme que vous allez garder auprès de ce jeu, ça va être de pouvoir faire tourner un petit peu tous ces artisans, pouvoir changer, pouvoir voir ce qui se combine le mieux, et puis pouvoir vivre plusieurs vies quelque part presque en parallèle. Vous jugerez selon le prix, moi aussi d'ailleurs je l'attends avec impatience, mais je pense qu'évidemment avec shipping et TVA on va être sur un gros billet, donc il faut être sûr finalement de sortir ça plus que une ou deux fois avec votre enfant de 5 ans pour l'initier au jeu de plateau. Je pense qu'il faut avoir un groupe pour ça. En solo ça peut être intéressant en guise de casse-tête, mais je pense que c'est vraiment le jeu qui peut sortir avec un ou une conjointe.
ou avec un ami, quelqu'un avec qui vous partagez pas mal de choses, un petit peu d'ailleurs comme Sleeping Gods. C'est-à-dire que si vous êtes dans le même délire, dans la même ambiance, c'est un jeu qui peut-être se sort hors des soirées jeux, parce que c'est plus posé, ça fonctionne différemment, on n'est pas dans la course à l'objectif, on prend plaisir finalement à voir quelque chose et vous voulez grandir devant nous. Moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça c'est certain, mais à ce prix là, au prix que je devine, même si je n'ai, déjà j'en sais rien et j'aurais même pas le droit de vous le dire, ça demande des certitudes et ça demande quand même un petit sacrifice. J'en ai terminé avec cette review un petit peu rushée, donc peut-être un petit peu plus improvisée que d'habitude, de Miss Wind. Vous l'avez compris, pour moi il est à surveiller. Je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire de le back à tout prix. Je vous invite en tout cas à essayer, si vous en avez la possibilité, ce mode TTS potentiellement avec un ami ou un proche, une conjointe, un conjointe, histoire de vous rendre compte de l'intérêt que ça peut générer autour de vous. Et puis bien sûr de vous pencher sur la page de la campagne pour voir ce qu'il en sera du prix, ce qu'il en sera du contenu final, et puis bien sûr de ce que l'éditeur lui-même a à dire sur ce fameux jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de belles aventures et je vous dis à très bientôt.